Toujours dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre les hépatites, l'Union des jeunes chrétiens et le Programme national de lutte contre les hépatites ont animé conjointement une conférence débat. Le thème « Ensemble, nous pouvons éliminer les hépatites ». Varelage. Cette conférence débat vise à édifier le public sur le mode de prévention, de transmission et de traitement des hépatites. Selon le conférencier Ndingadna Otongar, par ailleurs représentant le point focal des hépatites au Tchad, l'hépatite est une maladie qui attaque le foie. Il devrait poursuivre un peu plus loin que les sources de contamination de cette maladie sont les sels, les eaux contaminées et les aliments souillés. Répondant aux questions du public sur le mode de prévention des hépatites, le conférencier a soutenu que l'hygiène des mains et les rapports sexuels protégés permettent d'éviter cette maladie. Le secrétaire général adjoint de l'Union des jeunes chrétiens, Majissem Saria, martèle de son côté que cette maladie constitue un problème de santé publique dans le monde. Nous avons dans le monde entier plus de 2 milliards de personnes qui en meurent. Le Tchad, à l'instar d'autres pays, commémore cette journée à travers le ministère de la Santé publique. C'est à ce juste titre que le secrétariat général de l'Union des jeunes chrétiens, mouvement des élèves étudiants, mais aussi des professionnels, via son département initiative UJC SIDA, tient à sensibiliser ses membres, mais aussi toute personne concernée à cette lutte contre le fléau qui est l'hépatite. Au terme de cette rencontre, les participants ici présents ont eu droit à un test de dépistage pour connaître leur sérologie et recevoir des conseils avisés du personnel soignant.